Bonjour à toutes et à tous, je suis Christine Carrier, je dirige la Bibliothèque publique d'information et je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui pour cette deuxième édition d'une matinée d'études consacrée aux jeux vidéo. La BPI, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment mobilisée autour de l'accueil et de la participation et de la proposition de jeux vidéo dans un espace que vous avez peut-être vu en rentrant, qui est l'espace Nouvelle Génération. Et cette année, comme partout, tous nos agendas ont donc été bouleversés. C'est donc vraiment avec un immense plaisir que la BPI renoue avec son festival, celui-là en premier, nous avons d'autres festivals qui suivent, et avec nos journées professionnelles, même si cette année, la particularité de la crise sanitaire fait que nous avons un suivi en direct sur le site internet BPI Pro avec une soixantaine de professionnels qui ne se sont donc pas déplacés, qui sont aussi bien en France qu'ailleurs dans le monde et qui suivent la journée professionnelle en ligne. Et voilà, je les salue et on est ravis de pouvoir continuer la communauté, même si on n'est pas physiquement présent. Donc cette demi-journée d'études s'inscrit donc au cœur du festival du jeu vidéo de la bibliothèque qui s'appelle Prestart, comme vous venez de le voir. Ce festival se déroule du 23 au 28 septembre et c'est déjà la huitième année consécutive que nous l'organisons. C'est l'occasion de faire connaître les coulisses du jeu vidéo grâce à une riche programmation avec des rencontres, des ateliers, mais aussi l'expérience du jeu proprement dite. Vous pourrez retrouver tout le programme de Prestart 2020. Il y a une brochure, il y a le site internet. Depuis 2013, donc, la BPI propose du jeu vidéo avec la création du service Nouvelle Génération, comme je vous le disais, qui cible les publics des adolescents et des jeunes adultes. Bien sûr, le jeu vidéo est ouvert à tout le monde. Tous les jours, donc, dans la BPI, les usagers peuvent ainsi librement accéder aux consoles de jeux. La BPI puise dans sa collection de plus de 400 jeux vidéo pour proposer une sélection thématique qui va du blockbuster aux jeux indépendants plus confidentiels. Cette journée s'inscrit également dans un projet global de coopération nationale. L'objectif est ici de mutualiser et de partager les compétences de chacun, de multiplier les regards par des temps de rencontres entre professionnels. Je vous présente brièvement le programme de cette journée, qui est bien sûr réalisé avec le soutien de l'association Images en Bibliothèque, à qui je laisserai la parole dans quelques minutes. Images en Bibliothèque a inclus depuis plusieurs années le jeu vidéo dans ses domaines de compétences. Et elle vient de proposer avec nous, en début de semaine, comme chaque année, 3 jours de formation autour de cinéma et jeux vidéo à la BPI. Aujourd'hui, la BPI se penche sur la question des publics des jeux vidéo en bibliothèque. Tout d'abord, sous la forme d'une présentation sociologique globale, puis de retours d'expérience de terrain. Nous nous efforcerons d'en réaliser une typologie de ces publics, pour tenter de conquérir d'autres publics, mais aussi de mixer et de cohabiter et de faire cohabiter ces différents publics au sein de l'établissement. Comme vous le savez, ce n'est pas toujours simple. Nous évoquerons les classes d'âge, la question homme-femme, les territoires ruraux et le handicap. Les échanges seront menés par Nicolas Péris, référent jeux vidéo dans les médiathèques de Cergy et créateur de la boîte à outils jeuxvideothèque.com. Jeuxvideothèque sans coupure. Je l'en remercie. Si vous souhaitez poursuivre l'immersion dans le monde du jeu vidéo cet après-midi, vous pourrez bien sûr participer au festival Prestart et dans le salon jeux vidéo, sur réservation jusqu'à 15h, vous pourrez assister à des présentations. De 15h à 21h, vous pourrez également assister à un atelier de fabrication de bornes d'arcade. Je crois qu'hier, il y a déjà eu une fabrication. Et le soir, le festival se fera virtuel avec une retransmission en streaming des présentations de prototypes de jeux vidéo par des étudiants de l'école des Gobelins qui font un travail de création assez intéressant. Nous espérons que cette demi-journée, qui est assez riche et dense comme toujours, suscitera vos questionnements et fera naître des idées pour vous inspirer dans vos projets à venir. Je tiens bien sûr à remercier les intervenants
pour cette rencontre professionnelle. Je tiens aussi à remercier les équipes de la bibliothèque, la régie et tous les services qui ont œuvré à l'organisation de cette journée, et tout particulièrement le service Nouvelle Génération que dirige Séverine Boulet. Et ben voilà, bonne journée à tous et je passe la parole à ma collègue d'Images en Bibliothèque. Alors, bienvenue à tous et à toutes, et merci d'être là dans ce contexte un peu particulier. Je vais commencer aussi par remercier la BPI, en fait, de nous avoir proposé de participer à la réflexion autour du programme de la journée, et puis plus largement pour le partenariat qu'on a autour du stage dont parlait Christine Carrier à l'instant, puisque c'est, je pense, la quatrième année consécutive qu'on fait une formation qui s'appelle Jeux vidéo et cinéma, dans laquelle à la fois on explore les liens entre jeux vidéo et cinéma, et puis aussi les passerelles qu'on peut faire en termes de médiation en bibliothèque. Voilà, donc ça c'est une formation qui au départ était sur 2 jours, puis est passée sur 3 jours maintenant, et on voit qu'il y a tellement de matière qu'on aurait envie on pourrait en faire une semaine sur la thématique. Voilà, et puis je voulais quand même vous dire un tout petit mot sur Images en Bibliothèque, parce que c'est vrai que c'est pas forcément une association qui est connue par tout le monde. Donc Images en Bibliothèque a été créée en 1989, donc c'était il y a 31 ans. Au moment de l'arrivée du cinéma en bibliothèque. Donc, c'est une association qui accompagne vraiment les pratiques des bibliothécaires autour du cinéma et de l'audiovisuel. Notamment, il y a une activité qui est très forte et très développée autour du documentaire, surtout le documentaire de création. Et j'en parle d'autant plus parce qu'il y a, voilà, c'était la commission de sélection de films documentaires, donc qui est coordonnée par Images en Bibliothèque, est une activité qui est vraiment liée aussi à la BPI depuis son origine. Donc voilà, c'est particulièrement pertinent d'en parler ici. On coordonne également une manifestation nationale autour du documentaire qui s'appelle le Mois du film documentaire, qui se déroule chaque année tout au long du mois de novembre. Donc c'est vraiment un moment où on invite les professionnels, notamment les bibliothécaires, à programmer des films documentaires. Donc vous avez toutes les infos sur le site internet d'Images en Bibliothèque, bien sûr. Voilà, je ne vais pas m'étendre beaucoup plus. On est centre de formation, on organise une quarantaine de formations chaque année sur beaucoup de thématiques, dont les jeux vidéo. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à venir me voir à la fin. Je serai là toute la matinée. Voilà. Je pense que ça. Je vais vous souhaiter une bonne matinée d'écoute et puis une bonne journée à tous. Séverine. Eh bien, bonjour à tous. Donc, merci Christine, merci Adèle. Bienvenue au festival de jeux vidéo de la BPI Prestart. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Nicolas Péris, que je remercie d'animer cette demi-journée professionnelle. Après chaque intervention, il y aura bien sûr vos questions dans la salle, mais aussi les questions en direct donc, du Facebook Live de BPI Pro. Merci et bonne séance.